Les éléphants se sont recueillis sur la tombe du père fondateur de la République de Côte d'Ivoire Félix Houphouët-Boigny, décédé le 7 décembre 1993 et inhumé au pied de la basilique. La sélection ivoirienne partit à Yamoussoukro pour y affronter la Zambie dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023, à visiter la basilique Notre-Dame de la Paix, située en plein cœur de la capitale politique ivoirienne. Les éléphants se sont recueillis également sur la tombe du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, inhumé dans un mausolée bâti sur la propriété présidentielle, après sa mort le 7 décembre 1993. Accompagné par le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, les joueurs ivoiriens sont allés s'incliner sur la tombe du père de la nation. Les éléphants de Côte d'Ivoire ne pouvaient entamer la marche vers la CAN 2023 sans la bénédiction de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Accompagné par le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, les joueurs ivoiriens sont allés s'incliner sur la tombe du père de la nation, considéré comme le tout premier capitaine des éléphants. Un symbole de la ville de Yamoussoukro. Mais avant, le sélectionneur Jean-Louis Gasset et ses hommes ont visité un autre symbole de la ville de Yamoussoukro, la basilique Notre-Dame de la Paix, pour implorer la protection divine au cours de ces éliminatoires. Notons qu'à quelques heures de la confrontation éléphant, Chipolopolo, le sélectionneur ivoirien dispose de tout son monde pour ce choc, a commenté le service communication de la FIF. Lire aussi éléphant, convoqué, Franck Caissier brille par son absence. Les éléphants affrontent les Chipolopolo avec un effectif de 22 joueurs. Le milieu de terrain du Milan AC Franck Caissier est forfait. Gasset, nommé récemment nouveau sélectionneur, effectuera son baptême de feu. Après ce match contre la Zambie, le Selefanto se rendra ensuite en Afrique du Sud, plus précisément à Soweto, pour y rencontrer le Lesotho. Au terme de cette fenêtre, les joueurs profiteront de leurs vacances après une saison.